Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer le cours d'électrostatique. Donc, l'électrostatique, c'est l'étude des champs électriques statiques, c'est-à-dire indépendants du temps. En quoi est-ce que cette étude est importante? Cette étude, elle est fondamentale parce que les champs électriques sont présents un petit peu partout, que ce soit à notre échelle, avec en particulier tous les circuits électriques. On va voir que l'étude de l'électrostatique nous permettra en particulier de comprendre le fonctionnement des condensateurs et des résistances, et également à l'échelle microscopique, puisque la force électrostatique est la principale force d'interaction entre les différentes molécules. Donc comprendre les champs électrostatiques nous permettra de comprendre comment est-ce que les molécules vont interagir les unes avec les autres. Une petite remarque avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'on peut même utiliser les résultats électrostatiques en régime variable, à condition que ce régime soit suffisamment lentement variable. C'est-à-dire qu'on soit dans les conditions de l'approximation des régimes quasi-stationnaires que vous avez dû voir l'an dernier en électrocinétique. À savoir que l'on considère des distances qui restent petites devant la longueur d'onde des ondes électromagnétiques émises. Puisque c'est au niveau des ondes électromagnétiques qu'on va avoir le couplage entre champ électrique et champ magnétique, qu'on verra plus tard dans l'année, et où les résultats de l'électrostatique commencent à ne plus être corrects. Commençons donc par définir le champ électrique. Donc c'est une définition que normalement vous connaissez déjà. Donc un champ électrique, c'est un objet vectoriel défini en tout point M de l'espace. Au passage, c'est la définition d'un champ, hein, un objet qui est défini en tout point de l'espace, et qui se caractérise par la force qu'il va exercer sur les charges qui passent par là. On parle de charge test. Donc si on a une charge Q qui passe à un point M, on sait que elle subira une force électrostatique F égale QE. Et ça nous permet de définir ce champ E. Hein, si vous voulez tester le champ E produit par une distribution, bah vous prenez une charge, vous lui dites « Tiens, toi je te prends, je te mets au point M et je regarde la force que tu subis. » Évidemment, il faut s'assurer qu'elle ne subit pas d'autres forces par ailleurs. Donc pareil, typiquement, il faut l'immobiliser pour pas qu'elle subisse de force magnétique. Et voilà, donc là c'est le principe de base. Donc, le champ E il existe même si vous ne mettez pas de charge. C'est-à-dire que la charge elle est juste là pour le mesurer. Mais même si vous ne mettez pas de charge pour mesurer, votre champ électrique il a toujours existé. Donc pour le calculer, vous pouvez le calculer dans des cas simples. Alors le cas le plus simple, où quelque part vous savez déjà le calculer, c'est le cas d'une charge ponctuelle. Donc, si vous mettez une charge Q au point O, bon, ben, vous connaissez la force que cette charge Q arriverait à exercer sur une charge Q' qui se trouverait passer au point M. C'est la force électrostatique bien connue, QQ' sur KT ε0R² ER. Donc de ça, on peut déduire facilement le champ électrique, hein, puisque F est égal à Q' fois E. Notre champ électrique est donc égal à simplement Q sur KT ε0R² ER. Jusqu'ici, normalement, pas de difficulté. Hein. Là, ici, votre champ électrique, il fuit la charge si jamais cette charge est positive, et il va être vers la charge si elle est négative. Si jamais vous avez un système de coordonnées qui ne correspond pas à votre charge, typiquement si vous avez plusieurs charges, ça peut être un cas où vous avez des problèmes. À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser une expression qui soit portable d'un système de coordonnées à l'autre. Donc du coup, on ne va pas pouvoir rester sur ce système de coordonnées sphériques, il va falloir le traduire de façon générale. Donc pour ça, bah, il va falloir exprimer d'une part R et d'autre part ER qui sont les choses qui sont caractéristiques de notre système de coordonnées. Le R c'est simple, c'est juste la distance OM. Le ER c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est le vecteur unitaire aligné avec OM. Donc un vecteur unitaire bah, c'est le vecteur divisé par la norme du vecteur. Donc on obtient le ER qui est égal à vecteur OM sur R et petit r qui est égal à OM. Si on inclut tout ça,
on se retrouve avec une expression Q sur 4 epsilon 0 OM cube fois vecteur E. Le OM cube, c'est parce que là, vous avez le ER qui vaut OM sur R. Donc ça nous fait un R supplémentaire en bas. Donc du coup, avec ça, on peut sans problème traiter le cas de plusieurs charges ponctuelles. Pour le traiter, le principe sous-jacent, c'est le principe de superposition. C'est-à-dire que le champ électrique total sera la somme des champs électriques associés à chaque charge. Ce qu'on peut généraliser, en fait, si on peut diviser notre distribution de charge en plusieurs portions, le champ électrique total sera la somme des champs électriques dus à chaque portion prise isolément. Donc, ici, ça nous permet d'en déduire le champ électrique total, c'est la somme de chacun des champs électriques pris isolément. Donc, c'est celui qu'on a vu juste avant, adapté à chaque charge, donc du coup, QI au lieu de Q et OI au lieu de O. Ok, donc là, déjà, on a géré les charges ponctuelles. Bon, on pourrait se dire, là, c'est fini, on a tout géré, le monde est constitué de charges ponctuelles. Pas tout à fait. Déjà, parce que si jamais on se place à notre échelle, les charges ponctuelles, on ne les voit pas. Il y en a beaucoup trop, on ne va pas faire une somme de toutes les petites charges ponctuelles pour calculer le champ électrique à notre échelle. Ça ne va pas marcher. Donc là, on va plutôt utiliser les distributions continues. La distribution la plus typique, c'est la distribution volumique. Donc, par exemple, si on prend un volume dV mésoscopique, c'est-à-dire beaucoup plus grand que les charges ponctuelles, mais beaucoup plus petit que l'échelle d'observation, on va pouvoir définir la charge volumique par ρ égale dQ sur dV. Tout comme la masse volumique, c'est exactement le même principe. Alors, en fait, c'est même plus puissant que ça. C'est-à-dire que même à l'échelle atomique, en fait, on peut définir des charges volumiques. Et vous me dites, mais je croyais que les électrons, c'était ponctuel. Ah non, en fait, si vous vous souvenez de vos cours atomistique, vous avez probablement dit que les électrons étaient délocalisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas localisables en un point, mais qu'en fait, ils étaient répartis sur toute une zone autour du noyau, dans les atomes. Donc ça veut dire que leur charge aussi, elle est répartie. Donc c'est-à-dire que, même à l'échelle atomique, on va pouvoir définir des densités volumiques de charge qui sont associées, en fait, avec notre électron délocalisé. Pour le proton, en général, on utilisera un modèle de charge ponctuelle. Mais si on regarde suffisamment près, même le proton, on pourra le délocaliser et considérer un modèle de charge volumique. Donc en fait, quelque part, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde. On pourra considérer une charge ponctuelle si on regarde des échelles qui sont nettement plus grandes que la zone où elle est répartie. Et on pourra considérer après des charges volumiques homogènes si quelque part on se place à une échelle beaucoup plus grande que les homogénéités qu'il peut y avoir. Donc au niveau de la modélisation, quelque part, il faut prendre la modélisation qui va être adaptée à notre problème et adaptée à l'échelle à laquelle on regarde le problème. Ok, donc fermons la parenthèse. Là, vous avez votre charge volumique qui est définie. Donc, alors, un truc qui manque quand même dans ce dV, c'est que ce dV, il y a un petit défaut, c'est qu'il ne nous précise pas autour de quel point on définit ce dV. Donc souvent, on va utiliser des notations alternatives qui seraient D3R ou D3OM qui ont l'avantage de préciser, ok, c'est le petit volume autour du point M ou autour du point d'arrivée du vecteur R. Hein, le R, en général, c'est OM. Et le 3, il signifie que c'est une différentielle triple, c'est-à-dire que notre D3OM, en fait, ça pourrait être DX, DY, DZ. C'est un produit de trois différentiels de base. Remarquons que ce D3OM n'est pas un vecteur, ça reste un scalaire. Hein, ça reste un élément de volume infinitésimal. Donc une fois qu'on a tout ça, eh ben on a ce qu'il faut pour nous permettre de calculer des propriétés d'une distribution dont on connaît la charge volumique. Pas forcément uniforme. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc, si pour calculer la charge Q qui est située dans un volume V, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce volume V en petits morceaux, très petits morceaux, infiniment petits en fait. Ça ne se voit pas ici. Hein.
j'arrivais pas à découper assez petit, mais votre charge élémentaire associée à un volume élémentaire dV, ça sera dQ égale rho dV. Hein, on prend le dV suffisamment petit pour que ce rho soit bien homogène. Ensuite, bah, il va falloir additionner la charge située dans chacun des petits volumes dV un peu partout. Et du coup, une somme d'un nombre infini d'éléments infiniment petits, ça nous donne une intégrale. Une intégrale, ce n'est autre qu'une somme continue. Donc là, on va voir une intégrale triple, puisque forcément, on intègre dans les trois dimensions. Et donc, effectivement, on peut la noter, l'intégrale de rho de m des 3 au m. Ça permet de préciser qu'effectivement, c'est bien le m qu'on fait varier lorsqu'on se balade dans l'intégrale. Une deuxième chose qu'on veut facilement calculer, ça va être la force qui va être subie. Là, ici, ce petit élément dV, il va subir une force qui va être sa charge fois le champ E au point M. Et exactement de la même façon, on va pouvoir intégrer cette expression sur l'ensemble des éléments dV de notre distribution. Et donc, ça nous donne là aussi une intégrale triple, intégrale de rho de m fois dV fois E de m. Le dV, on aurait aussi pu le remplacer par dQ des 3 au m, hein, ça marche aussi. Alors, une petite remarque subtile au passage. Ce champ E de m, ça peut être soit le champ E total, soit uniquement le champ E extérieur à la distribution, c'est-à-dire qui a été produit par tout sauf la distribution qui nous intéresse. La raison de ça, c'est que les forces dues au reste de la distribution, donc le champ électrique dû au reste de la distribution, quelque part, ça nous fait des forces qui sont internes au système. Et des forces internes au système ne contribuent pas à la résultante, elles s'annulent. C'est-à-dire que la force exercée par M sur M', étant l'inverse de la force exercée par M' sur M, au total, ça ne contribue pas à la force totale. Donc, selon ce qui nous arrange, on peut soit prendre le champ électrique total pour E de M, soit juste le champ électrique dû à l'extérieur de la distribution. Donc, aux autres charges qui agissent sur cette distribution. Alors, dernière chose, on peut aussi calculer le champ qui va être créé par la distribution volumique. Exactement de la même façon. C'est pareil, on va découper notre volume en petits morceaux, et chacun de ces petits morceaux va exercer un champ électrique dE. Donc là, ici, on va l'appeler dQ sur 4πε0 Pm cube fois Pm. Alors, juste une petite chose, c'est que là, ici, ce qui va changer lorsqu'on va faire notre intégrale, ça ne sera pas m, ça sera p. Du coup, il faudra faire attention que notre dq, c'est rho de p. Et là, ici, c'est important d'écrire d cube au p. Écrire dv, c'est dangereux ici parce que si on écrit dv, on ne sait vraiment pas trop ce qu'on fait varier entre p et m. Donc là, ici, l'expression d cube au p permet de préciser ça. C'est dans notre intégrale, on va faire varier p. Et du coup, ça s'intègre tout seul. Là, on fait la somme de tous les éléments. Et du coup, on obtient un champ électrique total qui est la somme, donc une intégrale en fait, des dE qu'on a pu calculer. Ok. Donc là, ça nous permet de traiter les distributions volumiques. Un autre type de distribution qu'on peut rencontrer, c'est les distributions surfaciques. Alors, on les rencontre assez naturellement. Dans un cas, c'est les conducteurs. Lorsqu'on a des conducteurs électriques, les charges électriques, étant donné qu'elles se fuient les unes les autres, elles vont finir par se retrouver au bord. Et donc, naturellement, on va avoir des charges électriques qui vont toutes être concentrées sur une distance assez faible
hein, de l'ordre de l'angström. Et donc du coup, elles sont vraiment situées sur une couche très très fine. Et donc si on s'intéresse à des problèmes macroscopiques, pour nous, tout se passe comme si elles étaient vraiment sur une surface. Donc à ce moment-là, bah, on va avoir une charge surface x sigma qui va être égale à dq sur ds. Et donc si on veut avoir la charge totale de la surface, bah, c'est pareil, il suffit d'intégrer. Alors une subtilité de la chose, c'est que cette distribution surfacique, elle peut tout à fait être décrite aussi de manière volumique. C'est-à-dire, vous pouvez parfaitement dire, bon voilà, j'ai certes ma couche qui a une épaisseur d'un angstrom, mais je dis, ok, bah, j'ai une distribution volumique sur cette épaisseur d'un angstrom. Et ça décrit aussi très bien la situation, il n'y a pas de souci. Bon, seulement, il faut savoir passer de l'une à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre? Bah, il faut que ces deux distributions soient cohérentes. C'est-à-dire que sur votre surface DS, vous ayez exactement la même charge. Si on prend une distribution surfacique, c'est simple. La charge que vous avez, c'est sigma ds. Si vous prenez une distribution volumique, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la surface ds va correspondre cette fois-ci à en fait, une sorte de parallélépipède. Il va falloir intégrer sur toute l'épaisseur. Épaisseur qui est petite a priori devant les autres dimensions, hein, puisque sinon on ne pourrait pas le modéliser par une distribution surfacique. Et donc, si on zoome, là ici, vous avez votre surface toute plate. Là ici, votre surface avec une épaisseur. Et donc, bah, cette épaisseur, on va la décomposer en tranches infinitésimales. Parce que rien ne garantit que l'euro soit uniforme. Et donc du coup, là, on va avoir une charge élémentaire qui va être triplement élémentaire, rho de z, dz, ds, donc, qui correspond à une de ces tranches-là. Et pour avoir la charge totale associée à ds, bah, il va falloir sommer toutes ces tranches, donc intégrer. Et donc du coup, bah, ça nous dit que si on veut que les deux soient cohérentes, il faut que le sigma soit égal à l'intégrale de rho de z dz. Donc, en particulier, bon, si rho est uniforme, là, il n'y a pas de choses compliquées, c'est juste rho e. Alors, on peut remarquer au passage que c'est tout à fait cohérent avec les dimensions des charges surfaciques et charges volumiques, puisque rho, c'est une charge volumique, c'est une charge sur un volume. Sigma, c'est une charge sur une surface, donc c'est logique que pour passer une charge volumique à une charge surfacique, il faille multiplier par une longueur. Donc maintenant, si on s'intéresse au champ qui est créé par cette distribution surfacique, bah, en fait, c'est exactement le même principe que pour une distribution volumique. Donc on peut reprendre l'expression qu'on avait. Les seules différences, ça sera que l'intégrale sera double, qu'on n'aura pas une charge volumique, mais une charge surfacique, et que, effectivement, l'intégrale étant double, ça sera un D2OP. Donc le D2OP signifie le DS. Mais le reste est complètement identique. De même, la force subie par le système va pouvoir être écrite de la même façon que pour une distribution volumique, simplement en remplaçant l'intégrale triple par l'intégrale double et la charge volumique par une charge surfacique. Une petite subtilité quand même ici, c'est que là le champ électrique est forcément le champ extérieur à la distribution. Tout simplement parce que le champ électrique total n'est pas continu sur une distribution surfacique. Donc on aura l'occasion de voir quelques exemples lorsqu'on calculera des champs. Donc là ici, si on essaie de calculer avec le champ total, on ne va pas trop savoir quel champ utiliser. Et donc, du coup, ça ne va pas bien marcher. Donc, il faut vraiment utiliser le champ généré uniquement par le reste du monde. Ok, dernier type maintenant de distribution, les distributions linéiques. Donc là, bah, on a vu le 3D et le 2D, il nous reste le 1D. Donc, une distribution linéique, c'est une distribution qui est localisée sur une ligne. Donc là, c'est des choses qui peuvent être un tout petit peu plus artificielles, mais on peut les rencontrer. Par exemple, je sais pas, si vous frottez un bâton sur de la laine, bon, bah, votre bâton va se charger. Si vous êtes suffisamment loin, vous pourrez considérer que
bon, le rayon du bâton est négligeable et que c'est une charge unique, par exemple. Donc là, ici, bah, on va définir du coup un lambda qui est dQ sur dL. Donc après, c'est exactement le même principe. Donc cette charge unique, on peut aussi la décrire comme une charge volumique. Et pour passer de la charge volumique à la charge unique, il va falloir intégrer cette fois-ci deux fois. C'est-à-dire la surface étant la surface orthogonale à la ligne. C'est-à-dire on intègre sur toutes les dimensions en fait, qui ne sont pas représentées dans la distribution unique. Pareil, si on veut déterminer le champ électrique total, bah, il faut sommer les champs électriques générés par chacune des longueurs élémentaires dL. Et donc là, ici, on va se retrouver avec une intégrale, donc cette fois-ci sur une ligne. Donc là, ici, en général, quand c'est sur une ligne, on utilise une abscisse curviligne qui correspond à la longueur de la ligne qu'on a pour arriver jusqu'au point P, donc P de L. Et donc, du coup, bah, on a une évolution naturelle des expressions qu'on avait pour les distributions volumiques ou surfaciques. Et pareil pour la force qui est subie. C'est comme pour les distributions surfaciques, c'est forcément le champ extérieur qui doit être utilisé. Puisque là, ici, pour une distribution unique, en fait, le champ total va tendre vers l'infini sur la distribution unique, donc on pourra encore moins l'utiliser. Alors, dernière chose, tout ce qu'on va utiliser pour l'électrostatique peut également être utilisé pour la gravitation. En effet, là ici, les forces électrostatiques et les forces gravitationnelles ont des formes qui sont extrêmement proches. Et donc, en fait, on peut utiliser exactement les mêmes outils. Il y a vraiment une correspondance assez précise. C'est-à-dire que là, on voit que si on remplace la charge d'un côté par la masse de l'autre, et le 1 sur 4 pi epsilon 0 si on le remplace par moins g de l'autre, bah on a une équivalence assez proche. On va pouvoir aussi définir l'équivalent du champ électrostatique qui sera le champ gravitationnel g. Donc un exemple, c'est le champ gravitationnel à la surface de la Terre, donc qui est l'accélération de la pesanteur. Bon, on verra en mécanique qu'il y a une toute petite différence, mais en première approximation, c'est ça. Et du coup, notre G, on va pouvoir l'exprimer comme moins Gm sur R carré UR pour une masse ponctuelle. Et donc, de façon générale, toutes les propriétés, tous les théorèmes qu'on va utiliser pour l'électrostatique pourront être transposés pour le champ gravitationnel en ayant cette traduction. 1 sur 4 epsilon 0 correspond à moins g, q correspond à m, e correspond à g. Et là, vous avez absolument tout. Ok. Alors, là, on a terminé avec vraiment l'introduction, les bases de chez base. Donc, comme vous l'avez vu, les moyens qu'on a pour l'instant de calculer le champ électrique sont quand même relativement lourds. C'est-à-dire, écrire entièrement ces intégrales, c'est quelque chose qui peut se faire dans un certain nombre de cas, mais qui reste assez lourd et qui n'est pas du tout dans l'esprit du programme. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir à les écrire de façon détaillée, sauf peut-être pour des cas vraiment élémentaires. Ce que vous allez utiliser essentiellement, ça sera le théorème de Gauss, qu'on va voir maintenant. Donc avant de l'écrire, ce théorème de Gauss, on a besoin de quelques petites définitions. Alors, tout d'abord, on va rappeler ce qu'est un flux. Donc, vous connaissez déjà le flux du champ magnétique, qui est l'intégrale de B scalaire dS qu'on a utilisé en induction. Donc, on peut aussi définir exactement de la même façon le flux du champ électrique. Alors, pourquoi on parle de flux? Ben, parce que un cas où on peut aussi rencontrer ce genre d'intégrale, c'est lorsqu'on essaye de calculer des débits d'un fluide. Peut montrer que l'intégrale de V scalaire dS va nous donner le débit volumique du fluide. Donc du coup, c'est quelque chose qui est quelque part similaire à justement à la circulation d'un fluide. Donc c'est pour ça qu'on utilise le mot flux pour
pour décrire cette intégrale de E scalaire ds. Dans le cadre du théorème de Gauss, on va utiliser un flux au travers d'une surface un peu particulière, qui est une surface fermée. Donc une surface fermée, c'est une surface qui délimite un intérieur et un extérieur. Donc c'est en fait la limite d'un volume. Donc cette surface, elle est orientée par convention de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a une notation particulière, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit cercle autour de notre intégrale loop pour signifier que cette intégrale est une intégrale à travers une surface fermée. Alors, donc notre théorème de Gauss, il nous dit une chose, c'est que l'intégrale à travers une surface fermée, n'importe quelle surface fermée, de E scalaire d'S, autrement dit le flux de E à travers cette surface fermée, est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc la charge intérieure, c'est la charge qui est à l'intérieur de notre surface de Gauss. Alors, il est important de noter que cette surface de Gauss, elle est complètement immatérielle. C'est nous qui décidons où est-ce qu'on veut la placer. Et d'ailleurs, en général, on n'a pas forcément intérêt à la placer sur quelque chose de matériel. Parce que si on la place sur exactement sur une charge surfacique, par exemple, à ce moment-là, on ne saura pas si la charge surfacique est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc là, le théorème de Gauss, il ne sera absolument pas applicable. Donc au contraire, on a envie de le placer ailleurs. Donc, ce théorème de Gauss, il y a ici, donc l'exemple, dans cet exemple, la charge intérieure, ça serait Q1 plus Q2, puisqu'on aurait ces charges-là qui seraient à l'intérieur. On a également une version gravitationnelle du théorème de Gauss, que vous pouvez parfaitement écrire, vous n'avez pas besoin de moi là, en utilisant la traduction qu'on avait tout à l'heure. Donc là, ici, on sait que pour traduire 2 électrostatiques en gravitationnel, le E devient G, la charge devient une masse, et le 1 sur 4 pi epsilon 0 devient moins G. Donc, 1 sur epsilon 0, il devient moins 4 pi. Et donc ça nous donne notre théorème de Gauss gravitationnel. Donc la démonstration complète de ce théorème de Gauss à partir de ce qu'on a pour une charge ponctuelle n'est pas au programme, mais on va quand même faire quelques exemples qui nous permettront de nous convaincre que ça marche. Et en fait, à partir de ces exemples, on pourrait arriver à construire une démonstration si on était un petit peu soigneux. Je vous donnerai juste les grandes lignes après. Premier exemple. On a simplement une charge ponctuelle et on prend comme surface de Gauss une boule, plutôt une sphère de rayon R autour de cette charge. Donc à ce moment-là, ça va être assez facile de calculer, d'une part, le flux du champ E à travers cette surface de Gauss et d'autre part, la charge intérieure. Donc, si on veut calculer le flux, il faut remarquer que le champ électrique E est dirigé de la même façon que ds, puisque le ds est orthogonal à la surface, par définition. Et donc, du coup, le produit scalaire va être trivial. Par ailleurs, comme r est constant sur cette sphère, le q sur 4 pi epsilon 0 r carré, il peut être sorti de l'intégrale, et du coup, il ne nous reste plus que l'intégrale de ds. L'intégrale de ds, c'est la surface de la sphère, qui vaut 4 pi r carré. Et donc, du coup, le flux de E va être égal exactement à q sur epsilon 0, ce qui est le théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss est vérifié sans souci dans ce cas simple. Deuxième cas, un petit peu plus compliqué. Donc, on prend toujours une charge ponctuelle. Et cette fois-ci, notre surface de Gauss, c'est un truc un petit peu plus subtil, où on prend en fait l'ensemble des. Donc en fait, elle recouvre l'ensemble des points qui est entre R1 et R2, θ1 et θ2, φ1 et φ2. Donc c'est la surface en fait de cet ensemble. Donc du coup, si on regarde ce qui se passe.
Notre champ E, il est toujours radial, il est toujours selon ER. Et on va remarquer que il y a 4 des surfaces de cette surface de Gauss, des sous-surfaces de cette surface de Gauss, qui sont au moins partiellement selon ER. Et donc le vecteur DS va être orthogonal à la surface et donc à ER, et donc à E. Ce qui veut dire que notre E scalaire DS sur toutes ces surfaces va être rigoureusement nul. Il ne va donc nous rester que les deux autres surfaces. On va noter DS1 et DS2. Où on peut remarquer que les vecteurs DS sont situés dans le cas de la surface numéro 1 selon moins ER, dans le cas de la surface numéro 2 selon plus ER. Donc on peut écrire du coup notre flux. Il n'y a que ces deux surfaces qui contribuent, les quatre autres surfaces, on a E scalaire DS qui est nul, donc ça ne contribue absolument pas. Donc les produits scalaires sont quasiment triviaux. Attention quand même au signe moins dans le cas de la surface 1, ce qui est dans le mauvais sens. Et donc bah, on va obtenir simplement la surface Q sur 4 pièces c'est 0 fois la surface 2 sur R2 carré moins la surface 1 sur R1 carré. Il reste donc à calculer ces surfaces. Alors, ces surfaces, si on veut les calculer de façon précise, ben on peut utiliser explicitement l'intégrale de DS. Parce que là, ici, notre DS, on est en sphérique, c'est R carré sinus theta, theta défi. Donc ça s'intègre en fait assez facilement. Le sin theta s'intègre en cos theta 1 moins cos theta 2, et le défi s'intègre en phi 2 moins phi 1. Donc, on voit que le calcul va être exactement le même pour les deux surfaces, à part qu'il y a le R1 carré et le R2 qui va se transformer en R2 carré quand on va passer de S1 à S2. Et donc du coup, si on regarde dans notre expression de FIE, ben, tout va s'annuler. Est-ce que c'est normal? Bah ben, oui, puisque là, ici, à l'intérieur de notre surface de Gauss, il n'y a juste aucune charge. La charge est loin à l'extérieur de cette surface de Gauss. Elle est au point roux qui n'appartient pas du tout à l'intérieur de cette surface de Gauss. Alors, la petite subtilité, c'est que, en fait, si on avait une surface absolument quelconque autour de Q, on pourrait, a priori, toujours la reconstruire avec les deux types de surfaces que je viens de vous donner. Alors, en tout cas, cette surface-là, on peut la rendre infinitésimale, et avec ça, on va pouvoir rajouter ou enlever des trucs à la sphère qu'on a vue juste avant, de façon à obtenir exactement la forme qu'on veut. Et donc, ça permettrait sur le principe de montrer le théorème de Gauss. Mais je ne vais pas du coup rentrer dans les détails, hein, ce n'est pas l'objet du cours de rentrer dans ces spécifications détaillées. Ok. Donc maintenant, nous avons ce magnifique théorème de Gauss. Mais la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on s'en sert? Alors, pour pouvoir s'en servir, en fait, il va falloir exploiter les symétries du problème. En fait, le théorème de Gauss va nous permettre de déterminer le champ électrique à condition que le problème soit suffisamment symétrique pour qu'on ait essentiellement une inconnue dans notre problème. À ce moment-là, si on n'a qu'une seule inconnue dans notre problème, on va pouvoir arriver à déterminer ce qui se passe à l'aide du théorème de Gauss et d'une surface de Gauss bien choisie. Mais pour ça, il faut déjà savoir comment est-ce qu'on gère les symétries, ce qui est l'objectif de la partie suivante. Donc le principe de base, c'est le principe de Curie, qui dit que la symétrie des causes se retrouve dans la symétrie des effets. Alors, je vais détailler un peu ce que ça signifie. Imaginons qu'on ait une situation et qu'on ait le symétrique de cette situation. Donc là, ici, je vais représenter par exemple une boule de densité ρ. On a un point M où on connaît le champ. Donc si on prend le symétrique de la situation par rapport à un plan P quelconque, donc au point M' symétrique de M, on aura à ce moment-là
symétrique du champ E en M. Est-ce que ça nous permet de dire des choses intéressantes? En fait, pas vraiment. Puisque la situation à gauche et la situation à droite ne sont pas identiques. La boule n'est pas au même endroit. Par contre, si maintenant on s'arrange pour que le plan P soit un plan de symétrie du système, c'est-à-dire que le système après symétrie soit exactement le même, c'est-à-dire qu'il se superpose exactement, toutes les charges vont être identiques en tout point. D'accord ? Là, ici, tout point avec une charge ρ sont symétriques, se trouve être un point avec une charge ρ. Pas d'exception. Donc, si à ce moment-là, on retrouve exactement le même problème, donc ça veut dire que là, ici, si on connaît le champ électrique au point M, à ce moment-là, on va connaître le champ électrique au point M'. Mais on connaît toujours le champ électrique au point M puisque c'est la même situation. Donc c'est-à-dire que là, ici, ça va nous apporter une connaissance plus précise du problème initial. Donc là, ici, c'est vraiment important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que les plans de symétrie qui vont être intéressants, ou de façon générale, les transformations qui vont être intéressantes pour nous, c'est les transformations qui vont laisser invariant le système, c'est-à-dire tel que, après transformation, on retombe exactement sur le système de départ. Donc, du coup, dans le cas de l'électrostatique, le principe de Curie, en fait, il va être utilisé de la façon suivante, c'est si une distribution de charge est invariante par une transformation, donc le champ électrique, donc, sera lui aussi invariant par cette transformation. Et donc du coup, si on prend un point M, on connaîtra le champ électrique au point image de M par cette transformation. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va s'en servir des symétries et des symétries du problème et de façon plus générale des invariances. Symétrie ici, elle va être utilisée dans un sens assez large. On va parler de en fait, toute transformation qui va laisser invariante le problème. Ok, alors, commençons par les symétries planes et regardons en détail quelles sont les conséquences d'une symétrie, d'un problème invariant par symétrie plane. Donc là, on va nommer notre plan de symétrie x, y, on a le droit, on peut choisir notre système de coordonnées absolument comme on veut. Donc, prenons un point M. Et prenons son symétrique M'. Donc pour passer du point M à son symétrique M', il faut juste inverser la coordonnée Z. Prenons maintenant le champ E et son symétrique en M'. Donc pour notre champ E, la coordonnée selon EX du champ E reste identique. Il ne va pas bouger entre les deux. Donc on peut s'en convaincre assez facilement en prenant un champ E qui serait exclusivement selon X. Pareil, la coordonnée selon EY ne va pas non plus varier entre les deux. Par contre, celle qui va varier, c'est la coordonnée selon EZ qui va s'inverser. Donc, ça nous donne le cas général. Et il y a un cas particulier qui est particulièrement important, c'est celui où le point M est directement sur le plan. Dans ce cas-là, M et M' sont confondus et la seule façon pour EZ de M' d'être égal à moins EZ de M, le seul nombre qui est égal à son opposé, c'est 0. Donc ça veut dire que le EZ est égal à 0, ce qu'on peut résumer en une phrase qui est que si M appartient à un plan de symétrie, E de M appartient à ce même plan. En fait, on verra que ce sera la principale utilisation des symétries planes. On essaiera en général de choisir un plan de symétrie tel que le point M qui nous intéresse appartient à ce plan de symétrie.
Une deuxième transformation est ce qu'on appelle l'antisymétrie. Alors une antisymétrie, qu'est-ce que c'est? C'est une symétrie accompagnée d'une inversion du signe. Donc là, ici, si vous avez quelque chose qui est invariant par antisymétrie, ça veut dire que la charge en un point symétrique de M sera égale à moins la charge en M. D'accord? Donc, du coup, là, ici, bah, ça va aussi inverser le symétrique de E. Là, en pointillé, j'ai le symétrique de E, et du coup, là, ici, vous avez en trait plein le champ E en M', qui est l'opposé du symétrique de E. Les conséquences vont donc être les mêmes que pour une symétrie à un signe près. C'est-à-dire que, alors que pour une symétrie, EX et EY étaient identiques, là, ils vont changer de signe. En revanche, le EZ, lui, va rester identique. Donc les conséquences vont être particulièrement intéressantes là aussi dans le cas où M est sur le plan de symétrie, donc M égale M', puisque là, cette fois-ci, ça sera EX et EY qui vont s'annuler. Et donc là, on va pouvoir résumer la situation par le fait que si M appartient à un plan d'antisymétrie, E de M va être orthogonal à ce même plan. Donc il y a encore d'autres types d'invariances qui vont être intéressantes à considérer. C'est les invariances par translation et rotation. Alors, commençons par la translation. Donc là, considérons une distribution qui est invariante par une translation selon la direction UZ. C'est-à-dire que votre distribution, vous faites n'importe quelle translation selon UZ, vous retrouvez exactement la même distribution. Donc déjà, ça a une première conséquence, c'est que cette distribution, elle est forcément infinie. Mathématiquement, on peut le résumer ainsi, hein, c'est que rho de x, y, z va être égal à rho de x, y, 0 pour tout z. Donc forcément, là, vous voyez, c'est quelque chose d'infini. Alors, évidemment, en pratique, vous n'allez jamais avoir quelque chose de parfaitement infini. Donc, ça sera une approximation qui sera souvent utilisée, néanmoins, pour des distributions finies, mais dont une longueur sera beaucoup plus grande que les autres. Donc à ce moment-là, normalement, on va avoir un résultat qui sera approximativement bon, sauf lorsqu'on se retrouve près des bords de la distribution. Et à ce moment-là, on parle d'effet de bord pour décrire les différences entre ce que donnait le calcul avec quelque chose d'infini et le calcul réel. Donc là, ici, c'est des limites en fait du modèle infini. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontrera de temps en temps. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, le champ électrique au point M' va être l'image par translation du champ électrique au point M, donc en fait, ça va être exactement le même. Et donc du coup, on peut dire que le champ électrique E ne dépendra pas de la coordonnée Z. Il va être indépendant de Z. Ok, donc dernière chose, dernier type d'invariance, c'est l'invariance par rotation. Donc on va considérer une distribution qui va être invariante par rotation autour de OZ. Donc ça veut dire que ici, ρ ne dépendra pas de la coordonnée θ. Si on prend tous les points sur ce cercle, ils sont complètement équivalents. Donc là, par contre, une distribution invariante par rotation n'a absolument pas à être infinie, contrairement au cas précédent. Donc maintenant, si on prend le champ E au point M et le champ E au point M', donc le champ E au point M' va être l'image par rotation, donc le θ, du champ E. Autrement dit, ces deux champs ne sont pas identiques, puisqu'il y a une rotation entre les deux. Par contre, on va quand même pouvoir s'en sortir en invoquant la base cylindrique. Si on regarde la base cylindrique, entre le point M et le point M', elle a subi exactement la même rotation que E. Donc ça signifie que les projections de E sur UR, Uθ, Uz vont être exactement les mêmes
au point M et au point M'. Autrement dit, ER, θ, EZ sont indépendants de θ. Donc au niveau de la rédaction, ce que je vous recommande, c'est commencer par regarder les symétries, ce qui en général vous permettra de déterminer la direction du champ E. Donc là, vous n'aurez plus qu'une seule coordonnée. Et ensuite, regardez les rotations. Vous direz, bah, cette coordonnée, elle dépend pas de θ, par exemple. On verra des exemples un peu plus tard. Donc voilà, donc là, ici, ça nous permet de gérer les invariances par rotation axiale. On a un deuxième type de rotation qui est les rotations autour d'un point. Donc là, ici, naturellement, les coordonnées vont être les coordonnées sphériques. Et donc, je vais passer relativement rapidement parce que c'est exactement le même principe. Ici, votre champ E, c'est une image par rotation du champ E en M. Et la rotation va être exactement la même que celle subie par les coordonnées sphériques. Et donc, du coup, on en déduira que les coordonnées ER, θ, Eφ sont indépendantes de θ et de φ. Ok. Il nous reste à déterminer comment est-ce qu'on se sert de tout ça. Alors, pour utiliser le théorème de Gauss, la première chose à faire, c'est, si on a un problème un peu compliqué, on peut commencer par le décomposer en problème plus simple, et par plus simple, on veut dire plus symétrique. Parce que pour pouvoir utiliser le théorème de Gauss, il faut avoir un problème le plus symétrique possible. Ensuite, on va prendre un problème quelconque. Je dis bien quelconque. Et on va essayer de déterminer s'il y a des plans de symétrie ou d'antisymétrie qui contiennent M. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des contraintes sur le champ électrique. Un plan de symétrie qui ne contient pas M ne nous intéresse pas, ou quasiment pas. Donc, on regarde les plans de symétrie ou d'antisymétrie auxquels le point M appartient. Et normalement, si la situation est suffisamment symétrique, on doit pouvoir en déduire la direction du champ électrique. Si ce n'est pas suffisant pour en déduire la direction du champ électrique, c'est que le problème n'est pas suffisamment symétrique. Et donc, il faut le décomposer en problème plus symétrique que ça. Une fois qu'on a ça, on utilise les invariances par rotation et par translation pour déterminer de quoi la norme du champ E dépend. Donc là, ici, qui va être normalement une des coordonnées du champ dans un système approprié. Ensuite, on va pouvoir déterminer la surface de Gauss appropriée. Donc encore une fois, la surface de Gauss, elle doit être adaptée à la géométrie du champ. C'est-à-dire que si votre calcul d'intégrale il est compliqué, vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut choisir une surface de Gauss de manière à ce que le calcul de l'intégrale soit le plus simple possible. C'est-à-dire que votre surface de Gauss, elle doit pouvoir se décomposer en des surfaces qui sont soit orthogonales au champ, pour que le E scalaire DS soit trivial, soit qui contiennent le champ pour que le E scalaire DS soit nul, ce qui est encore plus simple. Donc, effectivement, votre surface, il va falloir arriver à fabriquer une surface fermée à partir de surfaces orthogonales au champ et de surfaces qui contiennent le champ. Encore une fois, on va voir sur un exemple, je pense que ça sera un petit peu plus clair. Et la dernière chose, c'est d'appliquer le théorème. En fait, c'est plus simple dans toute cette opération. Exemple. On va prendre une sphère de rayon R qui porte une charge surfacique sigma. Donc là, ici, la charge, elle est uniquement à la surface de la sphère. Il n'y a pas de charge à l'intérieur de la sphère. Donc, appliquons notre méthode. Donc, déjà, le problème est suffisamment symétrique, donc on n'a pas de problème de ce point de vue-là. Donc, on va prendre un point M quelconque et on va essayer de déterminer
quels sont les plans de symétrie et d'antisymétrie qui contiennent ce point M. En fait, il y en a plein. C'est tous les plans de symétrie qui contiennent l'axe OM. Tous ces plans-là, ils contiennent O, donc ils coupent la sphère en deux. Par égale, qui sont symétriques l'une de l'autre. Donc effectivement, là, on a bien quelque chose qui est invariant par symétrie. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que le champ E au point M appartient simultanément à tous ces plans. Donc il appartient à l'intersection de ces plans. Et l'intersection de ces plans, c'est la droite OM. Donc on peut dire que le champ E est selon UR en coordonnées sphériques. Ensuite, on va pouvoir passer aux invariances. Donc on a une invariance par rotation autour de O. Donc comme on a vu, l'invariance par rotation autour de O, ça implique que les coordonnées de E en sphérique ne dépendent ni de θ ni de φ. Donc là ici, le E qui est devant le UR, c'est une coordonnée. Et donc on peut dire qu'elle ne dépend que de R. Donc conclusion de tout ça, c'est que notre E vecteur est égal à E de R fois UR. Alors, la surface de Gauss, je vous ai un peu spoilé, ça va être naturellement une sphère de rayon R. Pourquoi ? Puisque je vous ai dit, notre surface de Gauss, il faut prendre soit des surfaces orthogonales au champ E, soit qui contiennent le champ E. Une surface orthogonale au champ E, c'est une sphère ou une portion de sphère. Et ici, quelque part, une sphère, ça suffit. On n'a pas besoin de bricoler avec autre chose. Hein, il suffit de prendre la sphère. C'est déjà une surface fermée. Donc, du coup, on va prendre cette sphère comme surface de Gauss. Notez bien que cette sphère n'est pas la sphère chargée. C'est une sphère d'un rayon petit r quelconque. Hein, il faut que cette sphère contienne un point M quelconque. Sinon, on ne pourra pas déterminer le champ E au point M. Maintenant qu'on a ça, il nous suffit d'appliquer le théorème de Gauss. Donc, c'est finalement assez simple. L'intégrale E scalaire ds, elle est triviale, puisque E et ds sont collinaires. Et comme R est fixe sur la sphère, notre E de R, on peut le sortir. Donc on obtient simplement 4 pi r carré e de r. Le truc un tout petit peu plus compliqué, c'est le calcul de la charge intérieure. Si le petit r est supérieur à grand R, à ce moment-là, notre sphère chargée est contenue à l'intérieur de la sphère de Gauss. Encore une fois, il ne faut pas confondre les deux sphères, elles sont bien différentes. Et donc du coup, la charge intérieure, bah, c'est la charge de notre sphère chargée, donc 4 pi grand R carré, surface de la sphère chargée, et non pas de la sphère de Gauss, fois la charge surfacique, qui est uniforme. Donc là, c'est très simple. Maintenant, si le petit R est inférieur à grand R, quelle va être la charge qui est à l'intérieur de notre surface de Gauss? Ça va tout simplement être 0. Puisque si notre surface de Gauss est à l'intérieur de la sphère, comme toutes les charges sont sur la sphère de rayon grand R, il n'y a plus rien à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc on obtient une charge nulle. Ok. Donc ça, ça nous permet de conclure, avec le théorème de Gauss, que E est égal à sigma R carré sur grand R carré sur petit R carré sin 0, si petit R est supérieur à grand R, et que E est nul si petit R est inférieur à grand R. Alors, juste une petite remarque, c'est que dans le cas où petit r est supérieur à grand R, on retrouve exactement le même champ que si la charge avait été ponctuelle au point O. Donc en fait, quelque part, à partir du moment où on est à l'extérieur de la distribution de charge asymétrie sphérique, en fait,
le détail de la distribution de la charge n'influe pas sur le champ électrique. Une fois qu'on est à l'extérieur de la distribution de charge. À l'intérieur, si, bien sûr. Une deuxième remarque qu'on peut avoir, c'est que le champ électrique à l'intérieur est nul. Donc, par exemple, ça peut être une solution possible lorsqu'on a une sphère conductrice qui est chargée. Si on a une sphère conductrice qui est chargée, il faut que le champ électrique à l'intérieur soit nul, sinon ce champ électrique va mettre en mouvement des charges. Et donc, du coup, on ne sera plus en électrostatique. Donc, du coup, là, ici, c'est ce que je vous disais. Lorsqu'on a des conducteurs chargés, en général, on se retrouve avec des distributions qui sont vraiment surfaciques, uniquement à la surface du conducteur. Ok, passons maintenant à un deuxième exemple qui va être le champ créé par un cylindre chargé en volume. Donc là, c'est un cylindre infini de rayon grand R avec une charge volumique ρ. C'est-à-dire que là, il est vraiment chargé en volume. Donc, pour voir si vous avez compris comment est-ce qu'on fait, je vais vous laisser faire vous-même le travail. C'est-à-dire recherche des symétries, des invariances, détermination de la surface de Gauss appropriée et calcul final. Je vous donnerai la solution dans une deuxième partie de cette présentation.